Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et poli au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Le collectif des cadres casamançais souhaite, à l'issue de l'opération de sécurisation qui a cours actuellement dans le Nord Sindian par les forces sénégalaises, le rayonnement définitif du grand banditisme et autres braquages dans la zone. Le collectif dit constater avec beaucoup de peine qu'au Sénégal, notamment, ces populations vivant en Casamance sont fatiguées d'un conflit qui n'a que trop duré, qui a fait trop de victimes, qui a causé des préjudices énormes à l'économie de la Casamance avec les déplacés et invalides, la coupe de bois détruisant les forêts, son trafic illicite lors des frontières du Sénégal nécessitant de situer la responsabilité sur toute la chaîne de la coupe de la réception hors de la Casamance, sans oublier le trafic illicite du chanvre indien. Voici le communiqué de presse. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette petite note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.